quand est-ce qu'on revoit Kiko? S'il va falloir qu'on se venge à un moment. Elle a tué Dominique Paradis. C'est con ça, ça aurait été drôle. On aurait rempli le truc de flotte. Là, vous aurez remarqué, on n'est plus du tout équipé silencieux. Hein. Littéralement, on s'en fout si c'est pas silencieux. Bonjour sécurité. Je peux pas rentrer? C'est dommage. Petit micro. Petit micro-ondes, hein. Le truc qui fait la taille de la table. Eh ben. Un petit coup de Q-virus, non? Chambre en bas. Il y a une carte qu'il faut que je récupère ou un truc? Je comprends pas. Prendre des photos de la chaîne d'assemblage. Ah, c'est pour ça qu'on a le briquet. Oh la vache. Il y a sécurité qui vient de sortir. Vous étiez que deux là-dedans? Parfait. Je vais peut-être pas user le peu qui me reste. Merci pour la carte d'accès. Des munitions. Ça se passe bien, ça se passe bien. Impeccable. Un petit coup de lunettes, parce qu'on n'y voit rien là. Bonjour. J'aime beaucoup la mission sur PS2 parce que la mort de Kiko, elle est... Alors, elle est pas forcément, je dirais, amusante, mais en tout cas, elle est à la hauteur de ce qu'on attendrait pour la mort d'un méchant dans un James Bond. Attendez, bougez pas. Voilà. Quand une suffit pas. Hein. Qu'est-ce qu'il va encore me raconter? Bah non, c'est fermé, bien sûr. Une petite grille de merde, on pourrait grimper sur ce carton pour sauter par-dessus. Mais non!
Donc je sais ce qu'on va faire. Parce que le petit gilet qui est derrière, moi, il m'intéresse bien. Il y avait quelqu'un, mais on va pas s'en formaliser. Est-ce que je me serais pas coincé tout seul comme un cul ? Attendez. Il devait y avoir moyen de se sortir de... Depuis tout à l'heure, j'essaie de l'ouvrir. Le jeu, il nous cherche, hein. Oui, j'ai entendu une grenade. Oula. Fallait le prendre ? Non. Et là, on va entendre... James, les tubes de lancement des missiles sont immergés, mais les portes ne sont pas encore ouvertes. Il faut trouver un moyen de détruire ces missiles. Ça nous rappelle un peu Espion pour cible, la séquence où on est dans un... genre de tunnel comme ça avec un truc sur rail. On doit poursuivre ces blocs, il s'appelle, je crois. Nigel Block. Donc elle a dit qu'ils étaient immergés. Ils sont pas là, en tout cas. Ça aurait pu faire un petit effort pour les textures de ce truc-là, là. Oula. C'était quoi ce bruit ? Il y avait un explosif tactique. Ça va, messieurs ? Bougez pas. Il y en a un qui est encore en vie. Mais pour celui-là... Tâchez de faire les choses proprement. Merci pour les munitions. Ça nous fait penser à cette super arme là qui fait penser à... Qu'est-ce qu'il fait le jeu ? Il m'avait coincé. Cette super arme qu'il y a dans Nightfire version PS2. Qui fait penser à l'arme de Meurt un autre jour qui présente au début le méchant. C'est... Je sais même plus comment il s'appelle. Même qui lui fait... Notre nouvelle arme anti-char. À l'uranium appauvri. Bien entendu. D'accord. J'ai l'impression d'être déjà venu dans cette salle-là, mais ok. Neutralisez le système de sécurité des portes. Si nous provoquons le lancement et que les portes restent fermées, les missiles seront détruits. Un petit coup de cul virus, tu vas voir. Soyez prudent, James. Ça va être vite réglé. Bah regarde, je suis prudent là. C'est pas parce que je manipule des virus que je ne me protège pas.
Attention, sécurité des portes des silos neutralisées, commande de lancement active. J'ai pas fait une connerie là ? J'ai fait une connerie. Je me suis connecté à leur circuit de caméra de surveillance et j'ai localisé Drake. Il se trouve en bas, dans sa suite privée. Si vous prenez l'ascenseur, je pourrai désactiver la sécurité d'ici. Dépêchez-vous, James, ça ne tiendra pas le coup longtemps. Mais je veux pas tuer Drake ici. Je veux le tuer dans l'espace. On devait le tuer dans l'espace, Drake. Oh non, ils ont pas mis la mission dans l'espace. Ah putain, il est là, l'ascenseur. Vite. Bon, par contre, il y a plus l'aspect urgence qu'il n'y avait dans la version PS2 pour cette mission-là. Mais Kiko, elle est où ? James, les quartiers de Drake sont à votre étage, mais je ne sais pas où exactement. Vous allez devoir les trouver tout seul. Capturer Drake ? Mais moi, je veux pas le capturer, moi. J'ai la license to kill. Oh là là, l'arrosage automatique. Ici, c'est plus calme, hein. Ici, ils ressentent pas les effets de ce qui se passe en haut, hein. Merci. Merci. On peut pas pénétrer là-dedans ? Voilà. Y'a rien à récupérer ici, trouver, capturer Drake. Oui, Tidut. Ah. Vas-y, appuie là sur ton alarme là. Voilà. Elle était déjà allumée. Il fait bien son travail ce garde. Attendez, je viens directement vous voir. Ça ira plus vite. Et par rapport à la mission précédente, là, le jeu, il s'est casualisé d'un coup, là. La difficulté qui est totalement... totalement au pif. Mais c'est pas grave, hein. Drake, on va lui mettre une petite fléchette paralysante, là. Ça va le one-shot. Et je suis sûr on peut gagner comme ça. James, des problèmes. Drake se dirige déjà vers la baie de la navette. Je vais faire de mon mieux pour vous faciliter la tâche. Mais vous êtes seul en mesure de l'arrêter. Bonne chance, James. Oh, il se dirige vers la navette. Mais moi, j'ai envie de le laisser partir. Moi, je le suivrai. Comme dans la version PS2. Vite. C'est tout ? Vous étiez que deux ? Ah, vous êtes en effectif réduit, messieurs, hein. D'habitude, y a plus que ça, hein. Oh là là, il nous ralasse. Là, on est bien. Niveau munitions, je pense qu'on devrait être pas mal. Oula. Il est touché. On n'entend plus rien.
Bon. Il est encore en dessous. On va recharger. On se regroupe. Est-ce qu'on prendrait pas le risque d'une petite sauvegarde? Je suis touché. Ah, il est au-dessus, ok. Ça va mieux? Voilà. Bah, il se plaignait qu'il était touché, donc... Je suppose que comme je n'ai pas suivi l'ascenseur, ça va être le suicide pour moi? Attention, on va tenter la dinguerie. On peut pas contrôler son personnage quand il est dans les airs, coup dur. Bah du coup, vaudrait peut-être mieux que je mette la sauvegarde auto. Quand on était rentré dans cette zone-là. Donc il faut que je reste sur l'ascenseur. Coûte que coûte. Neutralisez le système de sécurité des portes. Si nous provoquons le lancement et que les portes restent fermées, les missiles seront détruits. Voilà. Hop. Soyez prudent, James. Bah bien sûr. Voilà. Ensuite, on prend ça. Allez. Paf. Voilà. Je me suis connecté à leur circuit de caméra de surveillance et j'ai localisé Drake. Il se trouve en bas, dans sa suite privée. Si vous prenez l'ascenseur, je pourrais désactiver la sécurité d'ici. Dépêchez-vous, James. Bah, ouvre-le. Ça ne tient pas le coup longtemps. Merci. Ouais. Par contre, le recyclage de musique, James, alors que ils ont pas utilisé la moitié des musiques de la version PS2. Je pense qu'on les a bien calmés là. Ils sont bien ces gardes. Moi j'aime bien. Là pour le coup la mission est plus dure. La mission est moins dure plutôt que sur PS2. Voilà. Je venais de me remettre de l'armure.
Oh, c'est de l'abus. Pourrait nous donner un petit gilet là. Veuillez entrer le code. C'est même pas des touches avec marqué des numéros, donc. Fanny, est-ce que tu as des nouvelles du coche ? James, des problèmes. Drake se dirige déjà vers la baie de la navette. Je vais faire de mon mieux pour vous faciliter la tâche, mais vous êtes seul en mesure de l'arrêter. Bonne chance, James. Fanny a des nouvelles du coche. C'est heureux. En fait, ça vaut le coup de sonner l'alarme parce que sinon, on n'a pas de protection en plus. Plein de munitions là en plus. Donc attention, avant de rentrer dans cette salle. Attention, enregistrement. Bon bah, on n'aura pas besoin de tous se les faire en fait. On se regroupe. Planquez-vous. S'ils vont me faire chier. Oh, j'en ai pris une. Je m'en fous parce que le boulpe il est toujours content. On va le remettre. Voilà. Tant que le poulpe est content, tout va bien. On va mourir. C'est mon couple, tu me l'as piqué, qu'a dit Fanny. Je pense que t'as inversé certaines lettres. Et qu'il y a des fois, t'as pas utilisé les bonnes. Rien ne se passe. Sas. Bonsoir le coche. Comment va-t-il? Tu constateras que ça se passe plutôt pas mal de mon côté. On va y aller au... On va y aller au MGL. Hein. Le fameux MGL Militech. A ton avis, le coche, pourquoi je me retrouve sur ce jeu ? Mais ça veut pas les tuer ! J'ai envie de crever.
Non, non, pas sur... Pas sur la guerre du Nord, le coche. Oh la vache, comment il a volé ! No scope. Je me casse, vite. Ouh ! Petit enregistrement, là. Bah, tu as un autre stream, le coche, qui va pas rester très longtemps sur la chaîne Twitch. Tu pourras regarder à l'occasion. C'est... Je pense que rien que pour l'histoire, pour les livres d'histoire, ça devrait rester. Est-ce qu'on se garderait pas la fin ? Parce que là, ça serait bien qu'on aille sur la guerre du Nord quand même, qu'on en fasse un peu. Est-ce qu'on se garderait pas la fin pour plus tard ? Je retente une dernière fois. Si on décède, on gardera la fin pour plus tard. Elle est bien cette arme. Je sais pas si à un moment ils nous donneront un gilet ou quelque chose. Mais j'entends des trucs. Mais sur quoi ils tirent? Je suis même pas là. Ah mais ça pop à l'infini en fait. Ouh la vache. Bon, on se garde la fin pour plus tard. On va faire une petite pause. Et on va aller sur la guerre du Nord. Il est temps de retrouver... des amis. Des amis. Parce que pour l'instant, mon ami le poulpe et moi... un peu juste. Il va réintégrer sa place juste après. On va retourner en intermission. Les amis sur YouTube, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, laisser le commentaire, le pouce bleu, vous aurez la suite et fin. Soit, si la prochaine fois c'est trop court, je ferai juste une ellipse sur cet épisode-là, puisqu'il sera probablement pas encore sorti quand j'aurai fini déjà le jeu. Soit, genre, il y aura un épisode en plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le pouce bleu, le commentaire, tout ça. Venez sur la chaîne Twitch également, parce que là on est en live. Il va y avoir un peu de latence avant que ça vienne sur YouTube. Généralement on est entre 2 et 3 semaines hein, quand même. Donc cet épisode-là, il sera sur la chaîne probablement que dans 3 semaines. Ah ah ah. Donc faut venir sur Twitch, n'hésitez pas à follow la chaîne. Et puis vous pouvez me suivre sur Instagram également. Alors attention. Je sais pas combien de temps il reste au jeu, mais il faut pas compter... plus d'une quarantaine de minutes, je pense. Une quarantaine de minutes, une heure, je dirais. Il est où ? Il en reste un. Si vous vous rappelez, j'avais plus de vie. Mais ils se tuent tout seuls, ces idiots cons. Il me faut des vies. Oh oui ! C'était course, c'est-à-dire le coche. Oh, cette musique. Ça nous rappelle le mode multi, hein. Oula. Ces musiques. Ah oui, Mario Kart, c'est vrai. Et du coup, ça fait que tu pourras pas être sur mon live, c'est ça que tu veux dire? Ou que tu n'oses pas dire, le coche?
Ça s'est bien passé. Bah si, mais vers 20h45, je décalerai. D'accord, ok. Ça marche le coche. La la la, ils sont chiants à utiliser, des grenades. Rappelez-vous, quand on a quitté la dernière fois, on était dans la merde. Ça va être chaud, hein. Avec le peu de vie qu'on a. Et puis l'arme est pas forcément la plus efficace, hein. Je vais peut-être passer sur la P90. De chez FNR Stahl, bien sûr. J'ai le snipe aussi. Bon bah je vais crevax. Allez, on gagne du temps. Si on y va à la P90 plutôt. Merde! Bon, pas très efficace, hein. Attention. Quelle bande d'idiots cons! Ils font mal, hein, ces sacs. Ça se voit que c'est la dernière séquence de cette mission. Ils te sortent tous les ennemis possibles et imaginables. On va pré-fire, hein. La fameuse technique. Je suis planqué. Mais c'est pas vrai! Oh l'arnaque! Là on était bien là. On est pas mal. Mais on a quand même perdu des vies, hein. Pas évident. Putain, ils arrivent à me toucher, ces sacs. Non! Putain, je vais me faire avoir. Oui. Oui, oui, oui. Des... Oh là 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 là. Alors peut-être. On recharge ça. Le petit bruit de la claque sur le chargeur. Vous avez vu les vies qui nous font perdre?
Qu'est-ce qu'il faisait, lui? T'es bon? Vous savez quoi? Toujours. Petite sauvegarde, bien sûr. Il pourrait nous donner un petit gilet, quand même, à un moment. Aïe 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 aïe. On s'en fout, on a enregistré. Hop. Et ce couloir là, il est infâme. L'enfer. Surtout, le seul souci, c'est qu'ils connaissent notre adresse. Oh, mais j'ai ça! Ça va peut-être nous servir, cet appareil. Pourquoi ça venait de la gauche? Oh la musique! Vous entendez la musique un peu? Elle est pas dans la version PS2 celle-là. J'aime bien. Quand est-ce qu'il recharge ce sac? Oui, on y est. Nickel. Oh là 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 là. On reprend des vies. Oh la vache. Bah alors? C'est quoi ces cadenas là? Oh! Merci! On est bon. Là, ça mérite un petit enregistrement des familles. On a toujours pas buté Kiko, je le rappelle. C'est pas normal. Un Ronin. Je prends. Ouh la vache! Il va venir, il va venir. Les IA sont très intelligentes. J'aime beaucoup la musique. Oh, ça mériterait de la mettre en intro de la dernière séquence de Nightfire sur YouTube. C'est bon ? Alors j'ai pas de grenade, si. Je me casse. C'est capable de nous faire des dégâts, ça. Bon, on a tout fait péter, nickel. Attention, on enregistre. Parce que là, ça va chier. La musique est vraiment cool, j'aime bien.
peux aller par où exactement? Oui. Votre rôle. Celui qui est hors service? Ça doit être ça. Ça rend l'objet d'attendre que les lunettes se rechargent, quoi. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ah, j'ai compris. Hop là, j'en profite pour remettre mes lunettes. C'est des mecs normaux, ça. La 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 la. La musique est très très cool. On y voit goutte. Oh putain. J'ai failli tomber, hein. Qu'est-ce qu'ils sont, ces niveaux? Oui. Laissez-nous la petite musique, par contre. T'as fait mal au bidou, hein? Bon. On n'avait pas particulièrement besoin de deuxième gilet, mais écoute. Il est là. Profitons. J'ai quelque chose à faire ici. Infiltrer la baie des navettes. Là, on peut pas particulièrement dire que je suis en train de m'infiltrer, mais ok. Ok. Ah, Kiko, la fameuse scène. Et je me fais mal tout seul, comme un idiot con. Vous remarquerez qu'on entend beaucoup moins tirer là déjà. C'est là-dedans qu'il faut que je me mette, j'espère. Ça doit être bon. Je suis pute. Oula. J'ai une petite surprise pour vous, James. Vous avez tué un de mes ninjas après qu'il m'ait cassé. Oh non, pas encore un ninja. Pour pouvoir se venger. Eh bien, James, ça n'a pas l'air d'aller fort, on dirait. Oh, ta gueule. Ah
Achevez-le! Achevez-le tout de suite! Bon, Renan va faire le travail. Imbécile! Tuez-le ou je vous laisserai mourir en bas avec lui! Bonsoir, Kerixia. Dépêchez-vous! Ah! Vite, 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 vite! Hop! Allez-y, continuez d'arroser pour rien. Ils vont griller. Parfait. Empêcher Kiko de grimper dans la navette. Elle est où, Kiko? Kiko? Salle de contrôle. Mais... Et quoi? Y a un grappin ou un truc? Toutes les portes sont fermées sauf celle-là. Donc j'ose supputer que c'est par là qu'il faut que je passe. Ah, bah là ça marche. Ok. Je ne comprends pas. Il n'y a rien, ok. C'est la salle où on était tout à l'heure. Le petit interrupteur. Non ! Et oh si ! Coup dur, Kiko. 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu ! Grilla dans saucisse. Faire votre signal. Tout va bien ? On peut dire que mon moral est au plus haut. On va y avoir droit à la séquence finale dans l'espace. J'avais peur au début, hein. J'avais peur que Drake... James, j'ai toujours accès au système de communication de Drake. D'après ce que j'ai intercepté, les troupes de combat de Drake ont pris la plateforme de défense. Il reste peut-être quelques survivants de l'équipage d'origine, mais je ne suis sûre de rien. Ils comptent équiper les missiles avec les têtes nucléaires à bord de la seconde navette, qui est déjà arrimée. Je ne vois vraiment pas comment vous allez pouvoir arrêter ça. Tu me connais mal. Ah oui, on est encore avec les fusils laser. Je préfère le samouraï dans la version PS2. C'est quelqu'un ça? Oui, c'est quelqu'un ça. Je sais pas si je ferai True Crime Street of LA. Peut-être. Peut-être. Je l'ai jamais eu. Et j'ai déjà vu quelqu'un y en faire un let's play sur YouTube, mais moi, sinon, personnellement, j'y ai jamais joué. Bon, je suppose... Ah bah oui, on peut pas grappiner dans l'espace. D'ailleurs, ce monsieur... a l'air de beaucoup s'amuser. On va grimper là-dessus. Ah, là-dessus, plutôt. Hop. Un peu de plateforme. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Désarmer le missile 1. Ah oui, d'accord, ça me permet de me recharger en carburant. Mais ça sert à quoi? Ah, d'accord. Quand on maintient, ça te fait faire un super saut. Ok. Hop, je me recharge. Ça veut dire que potentiellement, on peut aller...
Voilà. Danger inflammable, ok. Normalement, tu tombes pas. D'ailleurs, c'est plutôt bien fait dans la série The Expanse, quand les gens meurent dans l'espace, et ben juste ils tombent pas, en fait, ils restent en position, ils sont juste morts. C'est tout. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Y'a rien à faire ici? Ces écrans sont beaucoup trop compliqués pour nous. Ah oui, d'accord. Attendez, il y a des écrans compliqués là. Hop. Je suis rechargé. Qu'est-ce qu'on en fait de ces missiles ? Comment on rentre là-dedans? Putain, plus que 4 minutes maintenant. On va enregistrer un petit coup. On sait jamais. Je regarde si le retour de mon live est correct. Pour l'instant, il est correct. Oh putain. Con du cul. Ah mais attends, il y a des trucs là. Bah voilà. C'est juste ça qu'il fallait faire. Putain, faut être précis, hein. Il est où celui qui... Ah. Pardon, messieurs. Hop. Heureusement qu'ils sont pas très très bons. Oh, j'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton de désamorçage. Faut que j'aille me recharger. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts liés à la gravité parce qu'on fait des sacrés sauts quand même, hein. Oh putain, c'était juste. 2 minutes. Oui. 2 secondes. Allez. Oh. Tac. Vite. Le principe est à peu près le même. C'est juste que je trouve la mission sur PS2 un petit peu plus grandiloquente. Notamment au niveau de la map, on est quand même vraiment dans l'espace, on n'est pas dans une pseudo-base. Trouver et éliminer Drake. Séquence d'autodestruction engagée. Oui, mais pas avec moi dedans. Avant que la station ne s'autodétruise. D'accord, d'accord, d'accord. Mais attendez, je vais me recherche... Oh ! Par là, peut-être. Allez !
Allez. Merci. Ça se conduit très très mal, hein. Le pétrolier de l'espace. Drake, où es-tu? Oula. Dans l'espace, monsieur Bond, personne ne vous entend crier, sauf moi. Bien dit. Oh, la musique. Merci pour cette musique. La 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 li la la li. Arrête de faire comme Rook. Mais il a l'air nul. Il a l'air tout nul. Les petits à-coups là, hop hop hop, droite gauche, droite gauche. Mais t'es juste con, Drake. Attends, attends, je te rejoins. Oula. Putain, il déconne pas. Il l'a pris dans la tête. Je pense que ça lui fait du bien. En fait, il est pas si naze que ça. J'ai pas un petit gilet là? Sinon, je vais mourir. C'est... Il est bien parce que... Oh, il est mort! On vérifie quand même. Capsule de sauvetage. Comment je... Ça? Oui! Oh, magnifique! La même séquence que sur PS2. Le son est ultra fort soudainement. C'est pas le stream, hein. C'est le jeu qui s'est mis à être ultra agité, fort. Agité, mais pas remué. Ou bien est-ce le contraire? Oh, non, ça c'est doit être au shaker, mais pas à la cuillère. Des astronomes du monde entier signalent des pluies de météorites imprévues. Bien joué, 007. Alors je suppose que M ne me refusera pas quelques jours de vacances. Nous allons laisser le volant au pilote automatique. Bien sûr. Oh, James. Splendide. Et vous voyez, finalement, même moins que ce que j'avais prédit. Donc je verrai si je mets la fin du jeu avec l'autre vidéo, la dernière vidéo de Nightfire que j'avais faite. La musique. Ce générique, il est génial. Et voilà, nous avons fini Nightfire version PC. Sur beaucoup d'aspects, je préfère la version PS2, on va pas se le cacher, hein. Comme je pense beaucoup de gens. Faut pas oublier que le jeu, celui-là, cette version-là est sortie avant la version PS2, qui a eu le temps d'être beaucoup retravaillée, beaucoup retouchée. Mais je trouve que même la direction artistique et le level design de la version PS2 est bien meilleur, hein. C'est sur quasiment tous les points. Mais bon, ça en reste pas moins un jeu de qualité pour PC pour l'époque. Là, on parle d'un jeu de 2002 quand même. Donc c'est pas mal. Et puis il est plus long que la version PS2. Là pour le coup, on peut rien dire à ce niveau-là, il est beaucoup plus long. Mais voilà. J'avais envie de faire aussi cette version-là parce que moi je l'ai connue.
Et d'ailleurs, j'ai connu cette version-là avant de connaître la version PS2. Puisque j'ai d'abord eu celle-là, qui avait beaucoup de mal à tourner sur le PC que j'avais, un Packard Bell à l'époque. Un truc qui faisait, attention, tenez-vous bien, 40 gigas de stockage. Pour l'époque, c'était terrible. Avec un écran qui faisait un écran 1024x768. Là, c'est pareil, pour l'époque, c'était terrible. Et il avait beaucoup de mal à tourner, je me souviens. Évidemment, là, je l'ai récupéré sur Internet. Hein. Je sais même pas si j'ai encore la boîte du jeu. J'ai la version PS2, ça, je l'ai toujours. Mais par contre, la version PC du jeu, je sais pas où elle est passée, celle-là. Donc, vous pouvez le trouver sur Internet. Sur des jeux style Abandonware, ce genre de choses... Généralement, vous allez trouver des ISO. Après, il faut le modder un petit peu. Enfin, c'est pas une question de le modder, c'est qu'il faut le modifier un petit peu. C'est pour ça que j'ai deux exécutables du jeu, pour qu'il puisse fonctionner correctement sur des PC d'aujourd'hui, quoi. Moteur de jeu Valve. Ah, ça serait le... Ah ouais, d'accord. Ah, je pensais... C'est vrai que ça nous rappelait quelque chose. Ça serait le moteur de Quake ? James Bond reviendra. Bah oui, il est revenu, puisqu'on a fait quitte ou double sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le reste de la playlist Let's Play de la Nostalgie, James Bond 007. Bien sûr, ce n'est pas terminé. Il reste beaucoup de jeux à faire. Il m'en reste très exactement 4, si je dis pas de bêtises. Et on commencera dans pas longtemps, je pense. Je vais me laisser un petit temps de pause avec les James Bond avant de revenir dessus. Mais on va continuer avec GoldenEye au service du mal. Et ça sera vraiment bien parce que celui-là, en dehors du fait qu'on n'incarne pas James Bond, il est quand même particulièrement amusant. Donc on va bien s'amuser avec. Bah en attendant pour YouTube, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, laisser le pouce bleu, le commentaire qui va bien. Et puis bah, n'hésitez pas à venir follow la chaîne Twitch et vous pouvez me suivre également sur Instagram. Donc salutations de l'infini.